Ouais, ça va les deux, vous en sortez? Ouais, ça va, on est en train de déterrer un bateau. Et tout va bien. La vie est super. Déterrer un bateau. Yep. Eh bien. On est là depuis 13h, il est 18h. On sait y arriver? Ouais, on va y arriver. Ouais. En combien de temps? On y est bientôt. Ils sont bientôt arrivés. Ouais. Alors déjà, ils avaient trouvé les rames il n'y a pas très loin. Là, juste là, là, dans les buissons. C'est ça. Ouais, c'est mais ça. Moi, je te jouais le thème. Donc, ça a donné des indices. Bah oui, ah, bah non, je l'ai déjà donné, ma pelle. Je l'ai déjà donné. T'en as pas? Bah non, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres, et non. Donc, par contre, on trouve pas le bout. Et là, c'est soir, notre dos, il commence à crier à l'aide. Ouais. Donc, je pense que. Non, pas moi. Ouais, bah oui, parce que vous nous avez rejoint un peu plus tard. Ouais, alors bon, essayez de pas trop flinguer les vêtements quoi. Oh, eh ben, tu sais, t'as ta nouvelle chemise en plus. On s'est lavé ce matin. Ouais, bah oui. Aussi, bah oui, c'était la peine. Hein. Allez, bon. Allez, un sourire pour la photo. Attends, j'ai pas Elliot. Voilà. Super. Tu vas être mieux là, confirme. Okay. Elle est dure quand même la vie des gamins nomades. Ah là 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 là. Terrible, terrible. Bon ben. On en a marre, trop de soleil quoi. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est terrible. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a fait des agrandissements aujourd'hui. Enfin, c'est surtout Pauline qui s'y est attelée au chantier pour Sunny. Voilà, on lui a enlevé sa cage. Petit Sunny. Attends, tu peux tenir? Voilà, et oui, on a mis une lapinière. On avait ça sous la main, c'est une chatière en fait qu'on avait, c'est un des héritages qu'on a embarqué encore de la maison. Regarde, tu peux passer. En disant on sait jamais, des fois qu'on le pose dans Eden. Et puis finalement, on pense que ça peut le faire. Voilà, on pense que ça peut le faire pour ce niveau. Juste le temps qu'il comprenne, mais à mon avis, il va vite comprendre. Hein? Et puis là, je pense que ça va le faire. Il faut préciser que c'est une chatière qu'on peut verrouiller. Ouais, bah oui. Il y a des modes différents pour ouais. Bloquer la petite porte. Si on veut qu'il rentre, si on veut qu'il sorte, etc. etc. Quoi. On est parti faire un petit tour. On est à la playa. On est à l'apéro. au bar. À l'apéro. Voilà. Et puis. Dans les papiers de mariage, encore. Voilà, on est dans les papiers de mariage. Avec Coco, on a encore été à Primor dépenser des trucs de cosmétiques. Mais là, il y a une personne bizarre, là. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Il y a Stéphane qui est avec nous. Voilà. Donc, il est au spot. Il nous a rejoint au spot tout à l'heure. Surprise. Hein? Le pro des surprises. Hein? Ah oui, puis il y a une deuxième surprise, mais là on la connaissait pas, donc voilà, une petite nouvelle avec nous. Bon, c'est Alors c'est qui Stéphane? Parce que bon, La mère de ma filleule. La mère de ta filleule, voilà. Voilà. Bon. Donc c'est bon. Apéro. Vas-y quand même. Et après on va au magasin de jouets. Des rouboettes pour la petite Lia qui va faire son anniversaire. Et comme je me remets à faire des ongles, que ça me fait envie, bah, je vais aller rechercher des produits pour faire les ongles. Voilà. Thank you.
est beau. Bon, on s'était tenté, vous voulez se faire un petit resto avec ma chérie. On avait tout fait sur TripAdvisor, tout ça. Voilà, on n'a juste pas capté qu'ils sont pas très ouverts. Enfin bon, on va trouver autre chose. Bon, finalement, on s'est choisi un petit italien. Et puis bah, c'est cool, en fait, on est directement servi par le chef qui vient nous faire ses propositions. C'est super. C'est super. On vous en dira des nouvelles. C'est la Carbonara, le Ristorante La Carbonara, à Estepona. Donnez-moi ça. Petite entrée, salade d'avocat. Les raviolis con carne. Et les raviolis, les ravioles, raviolis, raviolo. Ah oui, con queso. Les spinach. Si. Plutôt pour les copains. Et le pain, comme ça, en pâte à pizza. Alors sinon aussi en Espagne, on trouve des petits magasins où vous trouvez, vous voyez en vitrine, vous avez tous les produits ménagers. On va se fermer, c'est le soir, il est tard. Voilà. C'est pas mal. C'est rigolo. À côté, vous avez les shampoings, les produits de beauté, les gels douches. Les lingettes. Voilà. Bon et coco, yeah. Marre de l'Espagne. Ah, on se casse. On s'est barré. En Angleterre. On s'est cassé. On s'est cassé, on est parti en Angleterre. Voici en Angleterre. Passage de frontière. Gibraltar. Trois douaniers pour nous accueillir. Ah oui, par contre. Ouais, c'est ça. Ça contrôle, hein. Ah. Ça c'est clair. Mais ce qui était très marrant par contre, c'est que bon, ils ont contrôlé à l'avant, mais je pense que c'est clairement parce que j'avais un espèce de truc avec des dreadlocks devant, donc ça, ouais. Donc on s'est fait gauler, quoi. C'est vrai c'est que clair. Les deux, c'était pas le mec à mettre devant à la frontière, quoi. Carrément, mais bon. Et nous sommes ici bah, pour la préparation du mariage des demoiselles là. Alors pas ma fille, hein, celle-là c'est ma fille. Non, les deux autres là, quoi. J'ai pas la meilleure façon de cadrer, hein, mais bon. Et Wally, Walou, on va aller prendre un petit cup of tea. Bon, voilà, nous sortons du box Secretary's Lane, box office registration. Et nous sommes devant, c'est écrit à l'envers. Barrister at Law, voilà. Les avocats, voilà. Jules se tient au chaud. Dans l'encolure de la porte. Voilà. Sur le pas de la porte. Tout est réglé, voilà. Lundi, on se marie. Oui, là, c'est ça. Enfin, ça y est, on va prouver à tout le monde qu'on s'aime. Personne ne le sait, c'est une surprise, je le dis pas aux filles, hein, ça passe qu'on se marie là. Non, on va être dans la merde. On va être dans la merde, ouais. Déjà, il a fallu faire le divorce avant, c'est pour ça qu'on est se branché l'avocat. C'est ça. On était mariés initialement, avec d'autres personnes. Bah oui. Voilà. Oui. On va faire les happy suivers. Les happy fillers. Voilà, donc rendez-vous est pris pour lundi midi, voilà, pour le mariage. Je suis pas réveillé. C'est le mariage. Le mariage. C'est parce que tu as vu des bateaux qui partaient au Maroc, c'est le mariage. C'est ça. En tout cas, c'est quand même assez hallucinant. Et si tu fais 2 km, tu changes de pays, ils parlent tous anglais. Et en fait, il n'y a pas un brin de truc écrit en espagnol sur les murs. Et ils caillent. J'aime pas. Même la météo, elle change.
Bon, après, il faut aller réserver le bateau. Voilà, parce qu'elles doivent quand même consommer. Voilà. Avant ou après. Avant ou après, voilà. Donc, sur le coup, elles vont consommer avant. On va aller réserver le bateau pour la nuit de noces. Le bateau hôtel. C'est ça. La nuit de noces avant le mariage. C'est ça. Bon, alors aujourd'hui, grosse journée pluie. Donc, tous les potes ont réagi quand ils sont revenus ce matin de l'expédition pour le mariage des filles. Donc, tout le monde est là-bas. On a quand même Benji et Mamie Nomade qui sont à côté ici. Et puis, c'est là où on voit le temps de réaction du faux fileur de Stéphane. Hein, qui est parti donc faire les courses parce qu'aujourd'hui j'ai une angine, donc je suis en pilou-pilou dans mon bus. Et voilà, nous on est dans la piscine, il nous a laissé dans la piscine. Vous voyez, alors sa solution à lui, c'est de mettre une petite palette devant, mais bon, comment on fait une fois qu'on est passé sur la palette, je ne sais pas, parce que voilà quoi. voilà. Donc, c'est cool. Et il y a même la pelleteuse qui arrive là-bas, je sais pas. Ils veulent peut-être nous sortir de là. Et voilà le reste. Non, c'est pas que devant l'entrée, en fait. C'est partout. C'est une piscine. Voilà. Voilà. Ah. C'est... Je sais même pas si on va pouvoir sortir, en fait. Je sais même pas si on va pouvoir rentrer. Voilà. En tout cas, on a gardé la vue sur mer, c'est déjà ça. Voilà, quand on part faire les courses à 8 personnes, comment dire, la bubule est quasiment remplie. Il y en a partout, là aussi. On a l'équivalent de 4 caddies. Oui, il en manque un encore. Il y en a absolument partout. Voilà. Et tout ça, bien sûr, oui, il y en a encore là, devant, là. Hop, voilà. Tout ça, bien entendu, sous la flotte, voilà. Et on a Benji qui nous a retrouvés avec Mamie Nomade et puis le petit toutou, je ne me souviens plus du nom de la sienne. Dolly. Ils ont choisi le meilleur temps pour venir. Bon, allez, let's go.